Allez-y, vite, vite, vite. C'est parce que vous êtes courageuse que vous faites la sorcellerie, donc allez-y. C'est la nourriture qu'elle m'a donnée. T'avais dit quoi? C'est... Elle m'a donné... Vous avez tué combien de personnes? Plus de 20 personnes. Hein? Plus de 20 personnes. Quoi? 20 personnes. Comment vous faites pour tuer? Je me transforme en serpent et en... De quoi? Je me transforme en serpent et en scorpion. En serpent et en scorpion? Oui. Et tu fais quoi? Je tue les gens. Comment tu peux vous tuer? D'abord, la première personne que j'ai donnée, c'est mon père. La première personne, ton père? Oui, la première personne, c'est mon père. Mmh. Mon père, je l'ai donné. Tu peux avoir son nom? Il s'appelle Lato. Hein? Et c'est Lato. Mmh. Comment tu l'as tué? Il était chez lui à la maison, il dormait la nuit. Et puis quand il est dans sa maison, dans sa chambre, pendant qu'il dormait. Et dans ce moment, je lui envoie quoi? Je me suis transformé en scorpion pour rentrer chez lui. Tu l'as piqué? Oui. Il est mort? Oui. Tu as gâté qui et qui? C'est la vie de ma camarade que j'ai gâté. Allons-y. Tu as gâté qui et qui en sorcellerie? J'ai gâté la vie d'une fille, une étudiante. Une étudiante? Oui. Comment tu as gâté sa vie? Le même matin, elle partait à l'école. Elle partait à l'école. Parlez bien, parle bien, parle bien. Elle partait à l'école et puis je me suis transformée en tout. Elle faisait quoi? Elle partait à l'école, quoi. Oui. Je me suis transformé en serpent là. En serpent? Oui. J'étais caché dans la bouche. Quand il passait, je l'ai piqué au pied. Tu l'as piqué? Ils sont venus la soulever. Il fallait qu'elle à l'hôpital. Après, elle est revenue à la maison. Elle était assise là, en étudiant. Mais là, je me suis transformé en serpent. C'est comme ça que tu as gâté cette étude? Non, non. Oui, mais c'était pourquoi? Quand tu as piqué là, c'était pourquoi? Pour qu'elle marche. Gâter ses études. Oui. Tu as gâté qui encore? J'ai gardé la vie d'un monsieur. Un monsieur? Oui. Tu n'as rien à voir avec ta famille? Oui. Mm-hmm. C'était l'ami de ma mère. Oui, l'ami de ta mère. Comment tu as gâté? Lui, c'est. Lui, je l'ai paralysé. Tu l'as paralysé? Oui. Comment tu as fait pour le paralyser? Il était dans son champ de cacao. Et puis je me suis transformée en utopien là. Il était assis. Levez-moi l'enfant, s'il vous plaît. Levez-moi l'enfant. Allez-y, oui. Tu es transformé en scorpion. Et puis le scorpion l'a piqué. Oui. Parce qu'on dit, ça l'a paralysé. Donc, j'ai fait plusieurs fois. J'ai piqué plusieurs fois. Et puis ça l'a paralysé. Oui. Quand je l'ai piqué, d'abord il criait. Mais là, et son voisin d'à côté, il l'a entendu. Il est venu le chercher. Il est allé à l'hôpital. Il va arriver là-bas. Parle fort, hein? Je n'entends pas que tu dis. Quand il est arrivé là-bas à l'hôpital, les médecins se sont tués de vie.